Austin 316 says I just whipped your ass. M. W. A. Ouvrir. Et là, bien C'est bon. C'est bon. Pour la lutte, le catch, notre passion. W. W. -R. W. -C w. -R. DNA. Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du CIM. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Woo! Ici l'incroyable Gier, animateur du CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport-spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs ». votre rendez-vous hebdomadaire pour se discuter de lutte professionnelle. Hey, je pense à ça, Blondin, là. mets ça tout de suite au clair, là. Tu me parleras pas de parle? aujourd ça, aujourd'hui, ça m'intéresse pas, OK? Pourquoi? Pourquoi Parce tu, que... tu coupes l'intro que tout le monde est habitué de faire? Hey, j'ai vu ton poster, j'ai vu tes matchs affichés. Un euh, GF a fait pas ça à la carte. Tu m'avais promis Rhino, tu ne me le donnes pas. Tu es bien mieux de ne pas me parler de Sim Mania aujourd'hui. Parle-moi d'autre chose. Ben, C'est sûr que je veux te parler de Sim Mania. Ben, C'est une grosse, tu parles, grosse parles, affaire. Pas, grosse affaire que j'ai réussi à signer Rhino. Euh, ouais. qui, qui sera là euh, le dimanche de 5 mai, il va affronter le champion de la NCW. Si tu avais gardé ton titre, la NCW, oh. ça aurait peut-être changé de quoi. Mais là, ouais. il va affronter euh, Sean Mason. Puis l'épisode d'aujourd'hui, en plus, c'est sur les commentateurs colorés. Tu es, es devenu un commentateur coloré. Accepte ton rôle. Euh, puis en plus, c'est plus payant ça que de lutter pour d'autres fédérations. Fait que tu devrais être heureux. Je comprends pas. Et anyway, bon, ta femme veux. elle veut pas que tu luttes, faut que tu t'occupes de ta famille. Eh, bah, bon, il va t'en passer à la famille, on va parler de la tienne, si tu veux, là. Ben, si tu veux, je l'aime, ma famille. Ah ouais. Armand, salut, il est sûrement à l'écoute. Ben ouais, c'est ça, exactement. On le salue, Armand. puis, ton épouse, Jazz, on la salue, sûrement à l'écoute. Non, non, Marc, là, moi, je pensais que tu un homme de parole. On prend l'avion ensemble. Tu me dis, ah, je vais Rhino. Ça non, se non, non, monde, non, on ne prend GM. pas l'avion ensemble. Tu prends ton avion toujours tout seul. <laughs> tu me pisses dans l'oreille que <coughs> Ansem Jeff va affronter Rhino. Là, tu changes tes plans. Là, j'ai n'ai plus de match à Simmania. Mania. Rappelle-toi que TOW, là, les meilleurs matchs que tu as eus, c'est quand Ansem Jeff affrontait des légendes. C'était les meilleurs matchs de toutes tes soirées. Mais là, tu es amnésique. Fait que tu t'en rappelles pas. C'est ça, Gary. En tout cas, je ne sais, sais pas quoi te euh, Garde. Euh, moi, je pense que Sim Mania 4 va être le meilleur. Puis tu vas être concentré à 100 000 à l'heure sur euh, l'analyse des combats. Puis euh, tu vas voir. Les, pouvoir commenta les commentations, comme disait Poto. Hein, les commentations. Exact. 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 Écoute, euh, ben, euh, on va laisser faire les affaires des molettes d'acier. Puis tout. Là. On fera ça une autre fois, mais que tu sais, calmer. Euh... Non, non, mais On peut dire quand même que t'es saut, aveugle, sénile et amnésique. Sénile, je le trouve rough un peu. Ouais? Ouais. Mais écoute, ouais. On, peut, on va faire un sondage sur la page Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Hey, merci à tous ceux qui ont participé au sondage de cette semaine pour les analystes colorés. Ouais. Sondage de la semaine prochaine, c'est « Est-ce que vous pensez que Marc Blondin est amnésique, oui ou non? » On va le savoir. Je viens de faire les voix de « Mesures de guerre » de NCW avec euh, un autre euh, analyste coloré, le mort alpha Jeff Racette puis euh, il m'a dit que j'avais la langue sale. tu une langue sale, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça une langue sale comme toi. C'est pas c'est pas, pas si dis la, la vérité, j'ai juste dit incroyable, la foule de NCW peuvent compter jusqu'à 10. Tu sais le gars il frappait à la tête dans le coin là puis j'ai été langue sale ben non, c'est au contraire j ai, j ai, c'est une bonne nouvelle, ils peuvent compter jusqu'à 10, tu sais. viens d'un gars qui a un secondaire 5, pas de maths. Exact. Exact. Tu étais bien placé pour les comprendre. Le gars qui, qui fait les budgets de nos voyages. Oui, justement, j'attends toujours que tu m'envoies l'argent du dernier voyage, mais ça, c'est une autre histoire. Hé, hey, parlons du voyage. là, Las Vegas, ça s'en vient, puis là, on vient de perdre une de nos options de prendre Lynx, Lynx ouais, ouais. airline. Tu m'as en envoyé pas... ça hier. On voilà, va se rabattre sur Air Canada. Puis là, euh, je ne suis pas fier des auditeurs du podcast. Je suis pas fier de toi aujourd'hui. Les auditeurs du podcast n a, n a aucun qui a pris une participation pour notre concours pour nous aider. Ouais, J'en ai, ai un. Jocelyn Brun. Jocelyn Brun. Jocelyn Brun. Je ne même pas demandé. C'est lui qui m'a dit, c'est si tôt tard, prendre une participation. Tous les okay. autres auditeurs, là, tous ceux qui ont répondu au sondage, j'ai failli leur écrire en privant, en les traitant de plein de soupe. Pas capable de sortir une scène de leur poche pour nous aider. Puis on leur donne un podcast gratuit à chaque semaine. Oui, oui. Ouais. Mais ils n'ont peut-être pas compris. Regarde, on va leur parler tranquillement. On vous donne la chance de gagner quatre billets pour un match du Canadien. Quatre ensemble, là. Tu, tu vas quatre filles, quatre gars, deux coupes, trois gars, une fille, une fille, trois gars. Euh... Deux adultes, deux enfants, comme tu veux. Quatre billets ensemble. Chaque participation coûte 20$. Vous nous écrivez en privé, Jean-Frédéric Clément, Marc Blondin. Et c'est un match contre plou Oui, comme dirait ta, ta belle-mère, Marguerite. Exact. Les, hey, le, hey. le lightning de Tempa B. Tu y as tu la date? Mais non, je suis amnésique. En avril. Me semble c'est en avril, oui, parce que ça disait... Un, je un jeudi en avril. Ça disait « Ne te découvre pas d'un fil ». C'est ça qui est écrit sur les billets, hein, c'est ça? Oui. Ouais, en avril, ouais. le 4 avril, jeudi 4 avril. Hé, hey, j'ajoute, hey, j'ai une autre idée, Marc. On peut demander aux gens, on, ils nous envoient 5 5 par personne. Et à la fin, le montant, si c'est 500 qu'on a ramassé grâce aux auditeurs, je donne 500 ZMI sur le torse de Marc Blondin. Et on filme ça. Ah, j'ai perdu sa, sa coupe. Oui, ouais, ça peut oui. être ça. 500 chops, si on ramasse 500 500 chops consécutives sur le torse de Marc Blondin. Ah, c'était pas, pas dans le scénario, ça? Pas en tout. Il y a bien des affaires qui changent dans les scénarios, Marc. Oui, 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 c'est hey, important. Mais on sérieux, est... là, 20 4 billets, ouais. pour aller voir le Canadien. Alors, écrivez-nous en privé. Mais en passant, si vous ne nous écrivez pas, moi, je vais vous écrire. Oh, hein? hey, attendez pas ça, attendez pas ça. Et clair? parlant de personnes qui nous aident pour aller à Las Vegas voir Rebellion, commentez Rebellion de TNA. On va aller tout de suite au segment. Ce segment du Fessaillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du Bacon 514-260-9415. Il y en a eu des faisaillants et merci à Max Bacon. Puis je parlais avec Max cette semaine, puis tu il sais, dit Marc, je suis content d'être là sur le podcast, de vous encourager, mais ça serait le fun que quelqu'un m'encourage aussi. Fait que vous avez une maison à vendre, maison à acheter, encouragez Max. Et, il fait une grosse euh, comment je, je m'en ai dit sacrifice, mais c'est pas un sacrifice qu'il fait. Un gros don à chaque fois qu'on va en, ouais. en voyage pour nous aider à être là. Fait que un autre message que je vous rends des oreilles, là. Ouais, 514-260-9415. Sinon, appelez-le juste pour jaser, puis parlez leur de votre maison, puis. Peut-être qu'il va avoir des idées pour vous. Appelez-le, Max Bacon, 514-260-9415, le meilleur courtier immobilier au monde. Et en plus, il est facile à rejoindre, c'est le fun. Voilà. Bon. Hey, cette semaine, j'écoutais euh, ben, tu sais que la semaine prochaine, on fait un épisode sur Eric Bischoff. Non, je l'apprends. OK. Alors, euh, je lui ai écrit euh, ah, cette ouais. semaine, Ouais, ouais. Je, mais il ne m'a pas répondu. Mais j'ai écrit sur X. Et je lui ai écrit sur Instagram. Euh, mais j'ai aussi écrit à Conrad Thompson. OK. Tu sais, celui. Et je lui ai ouais. proposé notre podcast en français, de l'ajouter à son, euh, son réseau de, de podcasts. OK. Et il m'a dit, merci, mais je ne suis pas rendu là. Mais au moins, il a répondu. Wow! J'avais écrit il y deux ans. Puis j'avais pas eu de réponse. Et puis euh, là, au moins, ils m'ont répondu. Fait que, euh, puis j'ai dit qui j'étais. J'ai pas dit Mr. Fun International, pas dit ça. J'étais ex-animateur de... Puis TNA, puis tout. Et justement, en écoutant... Parce que là, c'est le fait saillant. Oui. Et en écoutant 83 Weeks, moi, c'est mon... Avec les antipodes, c'est pas mal les deux que j'écoute, là, tu sais. À part, bien sûr, le nôtre. Euh, et... Euh, le fait saillant, c'est que j'ai entendu, je ne me souviens pas si c'est Conrad ou euh, euh, John Alba ou encore euh, Eric Beschoff. En je ne me rappelle pas, évidemment, c'est sûr. Évidemment, mais ce que je me souviens, c'est l'idée que Scott Damore, notre ancien boss, premièrement, je ne savais pas que monétairement, ce gars-là, euh, euh, très bien réussi dans l'immobilier. Okay. Peut-être pour ça que le lien entre Max Bacon puis nous autres. Oh, ouais, hey, ça c'est fin, fait, ça. Bravo, Marc. Fait que oh. semble-t-il que l'animateur, celui des trois qui en a parlé, dit je ne serais même pas inquiet pour que euh, Scott Damore sorte l'argent de sa poche pour acheter euh, TNA. Mais comme TNA ne semble pas vouloir vendre, il ne serait pas surpris, et moi non plus, vu l'appui de la foule, ouais. vu l'appui des lutteurs. Qui se partent une nouvelle fédération. Waouh, wow, ça, serait, ça serait tout un coup ça, mais moi, je le vois d'un autre angle. Là, il a perdu sa job avec TNA. Ça va me rappeler un peu, je t'en ai parlé à d'onde, quand WWE avait racheté WCW et quelques années plus tard, avait ramené Eric Bischoff. Bischoff. Pas comme, Bischoff, pas comme propriétaire, comme personnage on-screen. Hey, ça ferait toute une histoire, L histoire, t'es en train de s'écrire tout seule. Là. Tu ramènes Scott DeMore. Il est, un, il est un performer maintenant, il n'est plus propriétaire, puis là, il se fait une faction, puis il essaie de reprendre le contrôle de TNA, ça ferait de la télé extraordinaire, mais dans tous les cas, tu as raison, Scott D'Amour va réapparaître dans le monde de la lutte, là, c'est évident. Oui, mais il reste à savoir est-ce que c'est quelque chose que Scott Damore aimerait faire, ça, c'est l'autre question. Bonne question, euh, effectivement. Ouais. Oui. Et euh, la semaine prochaine, je visite un endroit sur la rive sud euh, pour Simmania 5. Et euh, là, là, tu pourrais être en action à Simmania 5. Il faut, faut que je surveille ton entraînement et tout ça. Mais si tu prends un peu plus de sérieux, euh, tu pourrais être de Simmania 5. Alors, je vous en donne des nouvelles, mais je rencontre une municipalité sur la rive sud et c'est euh, jeudi prochain. Wow! Ce segment du Fessayant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du Bacon, 514-260-9415. Avant de s'en aller direct dans le, feu, le vif du sujet, j'aimerais euh, envoyer. Euh, des, des, des pensées positives oui. à notre ami David Jouan, qui euh, a des petits problèmes de santé présentement euh, en France. Alors, oui. euh, David, on, on pense à toi. Bonne chance et bon repos. Oui, tu es dans nos pensées, le Don Juan des pauvres. On pense à toi très fort. Alors, du côté de cette semaine, Ensum, on voulait vraiment regarder euh, les animateurs, les, les analystes colorés. Et, et ce que je me suis aperçu, ce n'est pas tous les fans de lutte qui comprennent qu'il y a un gars comme moi qui fait le play-by-play -play et il y a un, souvent un ancien lutteur ou quelqu'un de coloré à côté qui lui vient mettre justement, ça le dit le mot, la couleur dans les euh, commentaires. Et on a fait un sondage, on oui. a proposé 10 euh, euh, noms, tu veux commencer par lequel? Écoute, ah, on peut commencer du, du côté anglophone, si tu veux. Là. Un top 5. Euh, salutations à notre ami Mathieu lave lavigne qui est un spécialiste des top 5. Et non, ça ne sera pas un top 5 sur les costumes, mais un costume, euh, top 5 sur les analystes colorées anglophones au premier rang. Mais, mais moi, moi j'aurais commencé par en, en arrière, là, si tu veux bien. Et un ouais. nom qu'on a, euh, qu a euh, que je ne sais pas pourquoi qui n'est pas dans la liste, c'est Paul Heyman. Il aurait dû être là. là. Mais euh, il n'est pas là. Mais, ouais, mais on a... il, il est plus, un, plus, un, plus un gérant qu'il a fait du caller euh, Paul Heyman, mais il est plus, plus connu au niveau manager. Mais écoute, le top 5, numéro 5, Dusty Rhodes. Numéro 4, Pat McAfee, qu'on aime tous les deux. Numéro 3, Jesse Ventura. Numéro 2, Jerry Lawler. Et le grand gagnant, Bobby The Brain Oui, ça me surprend parce ben que je sais que l'âge. Euh, des membres euh, du groupe Facebook, et quand même, euh, c'est assez jeune, alors que les gens se souviennent, à moins que ce soit tous les vieux comme moi qui aient voté. Ah, mais euh, Bobby Nun, euh, c'est sûr qu'il était dans une classe à part. Alors, euh, les trois euh, ont Jesse de Body Ventura, What? qui était tellement langue sale avec McMahon dans le temps, euh, et Jerry Lawler, qui est entre les deux. Euh, alors, c'est merci à tous les membres euh, qui ont voté, toi, personnellement, euh, dans cette, euh, ces 10-là qu'on a proposé c'est qui euh, que tu préfères? Moi, j'ai grandi avec Jerry Lawler et Jim Ross. C'est sûr que moi, Jerry Lawler, c'est le vrai euh, commentateur coloré, il, qui prenait pour tous les méchants. Euh, mm -hmm. Charles, du personnage Anthony JF, quand on l'a fait ensemble, je pense, nos premiers impacts, il y avait comme eu un, un gauntlet avec un décompte. Puis à chaque fois, je te disais, tu me disais qui, qui va gagner. Ah, lui, il pourrait gagner. Puis à chaque fois, je changeais mon vote. Ah, lui, il va gagner. Puis je prenais toujours les heals. Ben, Jerry Lawler faisait souvent ça dans les « rare Rumble. Il choisissait un heal qui était éliminé. Là, son autre nouveau, son nouveau choix, c'était lui. Puis là, c'était toujours les heals. Mais là, le, le personnage a un peu évolué. Cette position-là a un peu évolué. C'est peut-être pour ça que nos, nos, nos auditeurs sont, étaient peut-être un peu mélangés avec qui fait le play-by-play -play et l'analyste. Parce que de nos jours, ça peut s'intercroiser. Harley Wrestling le fait. WWE le fait un petit peu aussi. Nous, on le fait un peu. Donc, ça, ça a évolué ça. Moi, j'avais voté pour Inun. Alors, euh, c'est certain que pour moi, il était c'est ma génération, une classe oh, à part. Même s'il si, même si était vraiment euh, pas très sympathique avec moi. Euh, ah non? Euh, non. C'était bien, 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 bien ordinaire. Okay. C'est. Dans ces années-là, ces gars-là du, du... Je ne sais pas s'ils venaient du sud, des, le sud-ouest sud des États-Unis. Mais les francophones, là, ils, ils nous regardaient de haut. J'ai fait, je ne sais pas, moi, 50 entrevues avec lui. Puis okay. des fois, il me saluait, mais jamais, jamais, jamais. Euh, okay. euh, non, il était bien, bien, bien ordinaire. Puis je l'ai suivi dans d'autres fédérations. À oh, un ouais, côté francophone... Écoute, on a mis dix noms. Ouais. Euh, L'avant-dernier, euh, ben, c'est handsome JF. Oui, trois et, votes. Puis j'imagine que ça doit être ta famille qui ont, qui ont voté. Non, mais Eric Mastrocola a voté pour moi. Donc, euh, je connais un des trois voteurs. Mais ce qui est le fun, c'est que tu as devancé Sylvain Grenier. Oui, monsieur, par un vote. Oui, exactement. Et si on regarde les cinq, euh, les cinq tops, et honnêtement, j'ai été vraiment euh, surpris. Que le tourneur soit dans le top 5. Parce oui. que le tourneur, il n'a pas fait beaucoup à RDS. Il était là juste, c'est surtout euh, World Championship Wrestling WCW. Euh, ouais. Probablement que c'est les gens des Europes qui ont peut-être plus voté. Parce qu'il devance Kevin Raphaël, il devance PCO, il devance euh, Philippe. Euh, là, j'ai de la misère à voir parce que c'est petit. Chéreau. Chéreau. Et devant devance-toi et, 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 et Sly ouais. pour le peu de temps qu'il était là. Mais euh, ensuite, dans le top 4, bien, on a Richard Le Magnifique qui, lui, a fait. Euh, lui, c'est un autre qui n'a pas fait beaucoup, long, qui n'a pas été là longtemps, mais qui a marqué, marqué les, euh, les téléspectateurs. Guillaure, qui a ouais. eu les deux rôles, mais les gens euh, euh, l'ont bien aimé quand il était à côté d'Edouard Carpentier. Frenchy Martin. Euh, et Jean Brassard, oui. Jean Brassard qui euh, a fait monter là, euh, en flèche la, la, le thermomètre des votes. Et euh, j'ai eu le, le, le plaisir parce que moi, je ne le connais pas. Je l'ai vu un petit peu, mais moi, je travaillais ailleurs dans une autre fédération. Mais Ansem. J'ai eu euh, le plaisir d'avoir de faire une entrevue avec lui. Euh, et euh, je pense, comment on dit ça? C'est du bonbon. Mais écoute, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà eu à l'entrevue Brassard, puis je t'avais demandé après l'avoir écouté. Vous connaissez, vous êtes vous des chums? Parce que la première fois quand je l'avais entendu, vous avez parlé comme vous étiez des chums. Puis là, tu m'as dit que tu as fait à peu près un 30 minutes avec lui. Mmh. Ça, va, ça va être super bon, c'est sûr, comme si vous étiez deux vieux chums qui se connaissent depuis des années et c'est pas le cas. C'est ça qui est le fun. Oui, alors si tu es prêt, envoie-nous à ça. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec celui qui francisait tous les noms, l'impitoyable Steve Austin ou l'homme tout retombe pour l'Undertaker, Jean Brassard. Au lieu de faire le blablabla bla bla hors des, euh, hors de l'enregistrement, on va faire le blablabla. Bla bla en enregistrant, comme, comment vas-tu, Jean? Ben, euh, allons-y, euh, blablabla-blabla-on. <laughs> je, vais, je vais très bien. Écoute, euh, on était très chanceux, nous, cette semaine euh, à New York. On a eu une, euh, pas vraiment une tempête de neige, mais on a eu de la neige assez pour couvrir Central Park. Alors, c'était la folie. Tous les enfants étaient dehors avec des toboggans, puis des, euh, des traînes, etc. Ils en ont profité pour la journée de neige de l'hiver. J'ai lu ça, en plus les écoles étaient fermées et tout ça, là. Ah oui, je te euh, y c'était. ils en ont profité, on n'a rien eu vraiment. Um. Je te dirais que si, euh, dans la région de Montréal, il y, y en est tombé un peu hier, peut-être un 5 à 7 centimètres. mais depuis, il <laughs> n'y euh, a pas grand-chose, à me dire. On a payé les, les déneigeurs pas mal pour rien jusqu'à date cette année. <laughs> ils vont manquer de pratique si ça revient. Exact, exact. Euh, ils vont arracher des morceaux de trottoir et tout ça, c'est certain. Comment va ta santé, Jean? Ma santé va très bien, oui. T'as de l'air top shape. Oui, oui, écoute, euh, je m'entraîne, je vais au gym, euh, euh, je fais même de la danse. Et puis, tu sais, à New York, euh, on marche beaucoup, on fait du vélo tout le temps et euh, on, monte plein des, on monte et descend des escaliers tout le temps. Alors, ça nous garde en forme même quand on ne veut pas être en forme. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant, vous le savez, Jean demeure à New York et c'est son... Euh, euh, c'est ton chez-toi depuis euh, pas mal de décennies pour ne pas te vieillir. Oui, oui, ça fait, bon, ça fait plus de 40 ans, en fait. Ouais. Wow! Tu aimes oui, toujours ça autant? Non. <laughs> non, écoute, c'est une ville qui a changé énormément. Euh, tu sais, moi, je suis arrivé ici en tant que jeune, vraiment en, en tant qu'artiste, chanteur, danseur, euh, acteur et tout ça. Et puis, euh, dans les années 80, ben, écoute, tu, tu pouvais te permettre de vivre, euh, d'avoir une petite jobine ou deux, puis faire ce que tu voulais faire. De nos jours, euh, les jeunes qui veulent venir à New York euh, juste pour vivre la vie d'artiste, ben, c'est fini. C'est une ville qui est compl complètement. Euh, sous l'emprise de l'argent. Ouais. Les loyers sont hyper chers, la bouffe est hyper chère, tout est très, très cher. Et puis, c'est un peu le même mood, je dirais. En... C'est sûr que les arts sont encore vivants, là, mais ouais. euh, c'est plus du tout la même atmosphère que c'était avant. Euh, je préfère être un peu plus senior maintenant que d'avoir à... Bon, c'est sûr, quand on est jeune, on a cette énergie de, de, de vaincre. Mmh. Mais non, c'est une ville... Écoute, il y a eu des beaux, il y a, il y a des beaux côtés. Il y a quand même... Il y a des, il y a des, les parcs sont beaux, euh, tout ça. Mais ce n'est pas la ville que c'était avant, ce qui me concerne. Comme tu dis, moi aussi, côté seigneur, tu remarques qu'il y a beaucoup de blanc. Oui. <laughs> beaucoup de blanc dans, mes, dans mon décor. Pas juste les murs. Euh, oui, les, remarque que les murs sont gris. Euh, mais c'est vrai que quand tu es jeune, on dirait que... Tu t'en fais moins, puis tu as plus de drive pour défoncer, euh, défoncer mais c'est de plus en plus difficile, c'est certain. Bah ouais, ce ouais. Tu dis, écoute, j'ai 60-50 ans, de, 70 ans devant moi pour euh, faire avancer les choses, alors tu n'as pas la même perspective du tout, puis c'est bien comme ça aussi. Exact. Ouais. Écoute, on pouvait pas oui. passer à côté de t'inviter pour l'épisode de cette semaine sur ce que moi j'appelle des color men, il y en a qui appellent des color commentators, en français oui. les analystes colorés. Je ne sais pas comment toi tu pourrais donner ta définition euh, de gens qui ont fait le métier que, que, que tu as fait dans le monde de la lutte. Ben écoute, c'est un peu comme, euh, on parlait d'artistes, mais c'est un peu comme être des artistes peintres. Euh, c'est comme si quelqu'un prend euh, bon le, 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 le commentateur la commentatrice qui fait le play by play là, qui décrit les matchs comme tel. C'est un peu comme prendre des photos, c'est réel, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe sous movie là. Alors que le l'analyste lui euh, fait des dessins autour, arrange les cheveux, met la couleur, transforme ça de façon, euh, aug c est, c est une façon augmentée si tu veux, c'est de prendre la réalité puis de la faire. De, 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 de lui donner des, un rayon, littéralement, autour, de, de faire une histoire avec ce qui est là. Dans le domaine de la lutte, euh, il y en a beaucoup, c'est des anciens lutteurs euh, oui. qui, qui, qui font ça. Euh, toi et un autre comme Michel Letourneur avec qui j'ai travaillé, euh, vous n'avez pas eu de, de, de in-ring ca career, là, de, non, la carrière. Du... Est-ce que tu, pour toi, est-ce qu'il y a une différence en, en étant un color commentator euh, entre ouais. quelqu'un qui l'a vécu et quelqu'un qui ne l'a pas vécu dans le ring? Définitivement. Euh, c'est comme si c'est d'avoir un acquis que tu peux prendre. Euh, tu l'as, tu n'as pas, pas besoin de l'apprendre. Tu ouais. l'as vécu, tu l'as dans les bras, tu l'as dans ton sang, tu l'as dans tu, toute ton expérience est là-dedans. Alors que quand tu arrives, comme moi je l'ai fait, euh, ben écoute, j'avais aucune expérience de lutte. Mais j'avais beaucoup d'expérience en improvisation, en théâtre. Euh, et donc, ça ne m'a pas pris longtemps avant de catcher, littéralement, euh, <laughs> euh, ce, que, ce que moi je pouvais faire, ce que moi je pouvais amener. Et puis, j'ai eu le bonheur et la, la, la chance de travailler avec un gars comme Raymond Rougeau, qui justement, lui, est, euh, a vécu exactement ce que, ce que tu décris de l'autre côté et qui a toujours une grande générosité, surtout dans les, dans les débuts avec moi, pour me faire. Euh, donc, me faire sentir que je pouvais créer ma place à travers ça. Justement, parlons-en de cette place-là. J'ai vu, euh, nous, on était toujours du côté des compétiteurs, toi et moi, à peu près dans nos, euh, nos carrières, dans, dans le monde de la lutte, mais j'ai vu, uh -huh. comme de raison, des images. L'image que j'ai le plus de toi... C'est euh, au Québec, on dirait, t'es effoiré sur un trône et <laughs> euh, t'es complètement. Euh, j't ai, j't ai, voyons donc, il est fou, lui. Ah, bonjour, mes sujets. Ici le grand roi Jean Brassard. Comme vous voyez, on m'a donné mon trône. Enfin, c'est la place qui me convient. Et je vous souhaite la bienvenue ici au Superstar. Une émission absolument splendide aujourd'hui pour vous, pour vous servir, puisqu'on parle de l'événement absolument spectaculaire du King of the Ring qui se produit ici aux États-Unis ce week-end. Hey, retourne au donjon, toi! Eh bien, oui, c'est le fou du roi, Raymond Rougeau, qui est en train d'astiquer ma couronne avec une brosse à dents et de nettoyer ma cape. <laughs> voilà le travail qui lui convient. C'est une image que j'ai, mais quand tu es arrivé avec Raymond, euh, parce que tu as été très, très coloré, euh, est-ce que tu as toujours été comme ça aussi au début? Comment te jouer joué le dosage de la couleur? Je pense qu'au début, j'étais plus. Euh, comment, je ne sais pas si c'est un mot en français, tentative. Non, ce n'est pas, pas un mot, ça. Euh, Expériment. <laughs> oui, ben tu sais, ça, j'expérimentais un peu. Je voyais un peu sur le, le, le terrain. Ça prend un petit. Écoute, je pense que ça n'a pas pris vraiment longtemps avant que je clique et que je commence à envoyer des, des affaires parce que au départ, moi, quand j'avais fait une audition pour ce, pour ce travail-là et puis j'avais dit euh, droit devant que j'avais pas d'expérience que je connaissais pas le, le, le monde de la lutte puis on m'a dit écoute euh, say what you see dis ce que tu vois ouais. et donc j'ai pris ça tout j'ai pris ça tout de suite et puis j'ai amené littéralement j'ai amené de la couleur tout, euh, cette fois c'était un match avec Bam Bam Bigelow je l'ai raconté plusieurs fois et puis euh, Bam Bam qui arrive avec ses, avec les les les, les, tattoos, les les flammes et tout ça donc ben, ben, j'ai pris ce que j'ai vu, mais littéralement, donc, c'est une réalité augmentée tout de suite. Bon, est, il, la, il, est en, il est enflammé, il y a le feu, il y a la colère, etc. Tu, tu construis là-dessus. Et puis, donc, j'ai fait ça à, à, de, de, au début. Et puis, comme je voyais, en fait, Raymond, au lieu de dire, ben, écoute, Jean, ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'était, ouais, vas-y, c'est bon. Puis, lui qui reprenait, c'est de relancer la balle, qui reprenait la balle, qui lançait la balle. Je faisais quelque chose avec, je la faisais tourbillonner, je la relançais en l'air et puis il la prenait, puis il continuait avec. Et, euh, mais toujours, euh, chacun, je pense qu'on a compris, euh, ben vraiment il y avait de l'expérience, c'est sûr, mais qu'on a bien compris nos rôles. Moi, j'ai bien compris mon rôle dans cette euh, situation-là. Et ça s'est montré particulièrement bien quand on faisait justement ces... Peux, quand on faisait les, les, les skits, les sketchs, quand on, était, euh, dans, quand on faisait des émissions hebdomadaires où, où il y avait des moments euh, devant la caméra euh, où il fallait... Bon, justement, Raymond annonçait les événements qui s'en venaient la semaine prochaine ou dans, dans un tel auditorium, dans un tel, tel arena. Et puis notre producteur disait toujours... puis tout Il, donnait, il, faisait, il faisait le bilan, tu vas faire dire ça... Puis il disait, toi, Jean, ben euh, fais ton affaire. <rire> <rire> Be animated, reste animé. Sois coloré. Bon, C'est <laughs> ça, exactement. Alors, on concoctait un petit peu euh, un petit truc. Euh, ce qui, euh, il y avait justement, il y a, a un autre, euh, autre petit clip qui est assez rigolo aussi, qui est quand euh, il y avait le docteur Yankem, le dentiste, qui... Euh, il y avait un masque qui allait on le voyait lui, il est en train de, de, de littéralement de dévisser une dent de quelqu'un, puis je m'étais mis du, des, des Kleenex dans la joue, puis. Oh tout ouais. comme ça, puis. Mais tu sais, donc on s'amusait beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas, Jean? J'ai un petit abcès. Ah, mais tu pourrais obtenir un rendez-vous avec le dentiste Yankum. Euh, non, 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 ça va, ça, ça va, ça, ça peut aller. Non, mais je suis convaincu qu'il n'a pas une grande liste d'attente. Non, non, je vais attendre une petite semaine, je pense. Non, Jean, je pourrais t'organiser sa... non, non, ça va! Sur le, le truc sur le, roi, sur le trône, c'était justement un événement sur King of the Ring. Hein? Et je disais euh, littéralement comme ça euh, C'est moi exact. le roi, Raymond ne l'est pas. Il y avait, il y avait notre, notre, euh, un, des, euh, un des assistants qui disait Monsieur, Monsieur Brassard, t'es à vous. Je dis, Alors là, je partais euh, comme ça. Mais je m'amusais, écoute, c'était incroyable, je me disais, d'être payé pour s'amuser autant. Ben, écoute, moi, tout, toute ma carrière, je me suis amusé. Alors, c'est important. Il faut que ça dégage, ça. Il faut que les gens sentent que tu t'amuses. Mais, quand tu me parles de Raymond, depuis que, oui. que, que j'essaie d'imaginer de vous deux, oui. euh, Raymond est très. Euh, tu sais, de la façon que moi, je le connais depuis 1980 quelque quelques, là, au début oui. des années 80, j'ai. Dans ma tête, je, je l'imagine te regarder en voulant dire Waouh, wow, c'est que s'en va. Tu sais, il est tellement. Il, en tout cas, moi, je l'ai connu straight. Puis oui. euh, avec toi à côté, là, euh, j'imagine que. Est-ce qu'il est, était à l'aise tout de suite? Parce que jamais il te dit, comme tantôt tu as mentionné, bien là, Jean, il ne faudrait peut-être pas aller vers ça. Euh, il était à l'aise là-dedans, dans ton côté euh, euh, bouffon? Plus bouffon, plus oui. C'est bien intéressant ce que, tu, ce que tu demandes là, en fait, parce que j'ai toujours, tu sais, j'ai toujours, ben, je, je donne toujours le, le, un, un énorme crédit à Raymond qui, qui le mérite, évidemment. Mais je pense que, effectivement, j'ai amené, amené quelque chose à Raymond aussi, que, auquel, une chose à laquelle je ne pense pas souvent, tu sais. Euh, mais euh, je pense que Raymond, j ai, j ai, on dit, on tape, j ai, j ai, je suis arrivé dans un côté de lui qui existe déjà. Mais qui n'avait pas, qu pas eu l'occasion de, de, de fleurir, si tu veux, de s'ouvrir de ce côté-là. Et puis, que, je pense en fait que moi aussi, j'ai amené ça avec lui puis il était ouvert à ça tout de suite, immédiatement. Puis, euh, je pense qu'il a, a pris de moi aussi... Euh, il y a eu un réel plaisir à, 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 à ce que, que j'amenais quand on travaillait ensemble. Il me l'a dit plusieurs fois aussi, alors euh, je pense que ça peut être confirmé si on lui demande. C'est sûr, <laughs> c'est sûr. Bonjour à tous, ici Raymond Rougeau, accompagné de mon nouveau collègue, Jean Brassard. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et dans les semaines qui suivront. Dis-moi, tu es arrivé euh, après Guy Auré, euh, ouais. Guy, qui lui avait un peu le. le la façon de faire de Bobby de Brain Nun. Euh, quand tu es arrivé, est-ce que tu ouais. avais vu ce qu'il faisait? Est-ce que non. tu n'as euh, pas rien été voir, tu es arrivé avec ta couleur à toi sans regarder ce qui s'était fait? Oui, je ne savais même pas qui, qui je remplaçais. À l'époque, j'avais aucune idée de qui. En fait, je n'ai jamais rencontré Guy. Je n'ai jamais, jamais vu ce qu'il avait fait aussi. D'une part, c'était une bonne chose, certainement, au, au début, parce que j'aurais essayé peut-être de, de, de me fondre dans son courant à lui. Euh, puis, ça n'aurait peut-être pas marché à essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Surtout quand on arrive sans expérience, c'est une chose qu'on peut faire, tu vois. Euh, alors, je n'ai pas fait ça du tout, je n'ai pas regardé. Puis, tu sais, à l'époque, je veux dire, dans les années 90, je arrivé en mai 94, euh, c'est pas comme aujourd'hui, hein, on est constamment sur nos, mach sur nos, nos petites machines à regarder, à aller chercher un clip de ci, à aller voir mmh. ça, tout ça. Je ne faisais pas ça. Pareillement, mmh. avec le contact, le, le contact avec les fans, euh, c'était minimal. Je veux dire, on, avait, on recevait des lettres des petites lettres écrites à, à tous les trois mois disant « Vous faites une bonne job, les gars, continuez. » Tu vois? Ouais, c'est ça. Um, ça, ça. Je veux dire, c'est pas ce y a comme, comme, comme aujourd'hui. Le, le, le flot continue d'informations et, et aussi ce que les gens t'envoient, tu vois, « Regarde ça, regarde ça, regarde ça. ça » Ça, se faisait pas à l'époque. Mais si on vient sur le côté de Raymond, Raymond travaillait avec Guy. Donc, il aurait pu te dire, « Bien, écoute, mon ancien... Euh, » « Color Man, euh, ouais. et, et allait comme ça, mais il t'a laissé euh, faire justement fleurir euh, ce oui. brassard. ce brassard <laughs> ouais. que, que, que je découvrais moi-même, en plus. Mais ça aussi, le truc, c'était que... Euh, quelque chose qui, a, qui, était, qui ajoutait un petit peu à mon personnage, c'est que moi, quand on m'a engagé, c'était euh, spécifiquement... On m'avait dit spécifiquement qu'on ne voulait pas de Québécois. Qu Ils il il cherchaient un Français de France. Alors, euh, c'était donc euh, aux auditions, il y avait moi, puis il y avait peut-être euh, 7-8 autres gars de, de mes collègues que je connaissais en tant qu'acteur, tu vois, qui étaient les Français. Alors, moi, j'ai fait, fait le français autant que dans la mesure où je, je savais faire le français de, au théâtre et tout ça. Et puis, quand j'ai fait la première audition avec, euh, avec Raymond, euh, la deuxième audition, le, le, donc le callback, si tu veux, rappelles ouais. rappelle, qui dans les studios avec Raymond à ce moment-là. Je me suis dit, ben lui, tu sais, il, il, il va se rendre compte tout de suite que je ne suis pas Québécois, que je suis Québécois, hein, au, plutôt. Et ça ne s'est pas passé du tout, alors ça a pris même euh, un petit peu de temps, tant que je sais quoi ça faire le français, puis de temps en temps, ils m'ont dit, ben, je que je parle de ma famille, puis là, je commençais à me demander, j'étais obligé de dire, euh, ben non, écoute, je suis Québécois. Mais ça m'a créé un personnage aussi qui était en dehors de moi, okay. un genre un de la lutte, que, que, moi, que moi je connais c'est moi mais c'est un moins une espèce d'amplification euh, ce qui donc ça aussi ça m'a donné une, 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 une permission de, de, de jouer encore davantage Puis, Maintenant Jean, les côtés des directives des entreprises je, je te dis ça parce que je me revois ouais. avec mon, mon partenaire d'aujourd'hui en GF, on est aux abords du ring pour TNA, et euh, notre euh, c'est un gars de Toronto qui gagne le titre, et on, on se regarde, on se lève debout, et on se met à chanter le Haut-Canada, puis les collègues américains nous regardent en voulant dire « What the fuck, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? » euh, Et, tu le, 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 notre patron, qu'on a perdu il y a quelques semaines, était venu chanter avec nous, dans sur notre micro, tu sais, puis on n'avait on, on vraiment pas de directive, et moi, j'ai toujours été sa limite de, 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 de ce qui peut se dire et comment ça peut se passer. Je suis un peu oui, comme oui. Toi. Moi, Marc Blondin, dans vraie vie, c'est un fou. C'est un, un ici, on dit un épais, un cave. Je fais des, des, des blagues, des jeux de mots tout le <laughs> temps. Mais à la lutte, c'est amplifié. Encore plus avec mes, mes, mes célèbres petites phrases connes. Alors, toi, est-ce que tu, à un moment donné, y t tu des gens qui te donnaient des directives ou c'était le free for all, tu faisais ce que tu voulais? Ben écoute, c'était plutôt le free for all. Je me souviens pas vraiment, on avait eu, à un moment donné, on avait un producteur, euh, Dan, qui était, qui était de, de Londres, mais qui parlait, qui parlait français et puis qui de temps en temps, euh, bon, pouvait peut-être euh, donner une petite idée à travers un match ou entre, entre deux matchs, gens, tu pourrais dire ça, tu pourrais peut-être dire ça. Mais le truc aussi, c'était que nos producteurs ne parlaient pas français. Oui, c'est ça. ça. Ils ne ça, savaient pas ce qu'on faisait, ils ne savaient pas ce qu'on disait. Alors moi, là, mon baromètre, c'était Raymond, je, 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 je me souviens pas, qui est même... Qu une fois Raymond m'a dit ben écoute on ne va pas le dos, là <laughs> on dit pas une chose un... mais j'ai un bon sens aussi de ça tu sais, j'ai un sens ouais. j'ai un, un bon sens d'amener c'était vraiment d'amener le théâtre moi je faisais beaucoup de Shakespeare à mm -hmm. l'époque aussi puis Shakespeare tu sais, je veux dire avant, avant les pièces de théâtre il y, avait, il, y avait, il y avait des matchs de lutte entre les loups entre les ours puis il y avait des il y avait, il y avait des jongleurs puis il y avait du cirque puis il y avait toutes sortes de choses puis avec ce que j'avais en termes d'expérience de, de d'impro, de, de théâtre, de Shakespeare. Parce que Shakespeare, c'était dans ce langage aussi, tu sais, où tu peux exploser avec le langage. Mais Et oui. tout, ce que je découvrais à mesure aussi, c'est que, tu sais, je veux dire, moi, une de mes phrases, c'est... Euh... Qu'elle est pique et pas ou qu'elle est pas qu'elle est pique. Tu vois, j'ai même ma chanson qui s'appelle, que j'ai écrite sur la lutte qui s'appelle exactement ça. Qu'elle vois? est pique et pas copac, que la marque est pas copac, ça défonce dans la baraque, Quelle l'époque est fantastique. Ladies and gentlemen. Avec son titre sur l'épaule Sur sa musique en tornade Il pavane, il parade Les hurlements dans la salle sont un élixir glorieux Il y a des éclairs dans tout le stade Son franc-silange est victorieux The one, Oui, hein, je, je, je vais inventer, inventer du langage qui n'existait pas comme tu l'as fait, je suis sûr toi aussi Ben oui, ben ah. oui Sortir des, des. Tu te demandes, ça vient de où, là, mais tu l'as oui. sorti, puis ça reste là. <laughs> mais c'est vrai ce que tu dis aussi, parce que tu es tellement dans le flot constant du, du, du débit de parole. C'est un fleuve de paroles dans lequel tu dois être. Bon, il y a deux courants qui, qui se chevauchent constamment, là, tu sais. Mais, euh, tu en plus, quand, quand la pandémie est arrivée, puis que j'ai, en fait, j'ai dû faire. Euh, j'ai fait, pas trop cinq ou six euh, euh, pay-per-view tout seul pendant trois heures trois heures et demie quatre heures Eh hey boy euh, ouais, hein? euh, ouais. c'est euh, tu sais tu as une petite crainte au début mais une fois que la c'est comme tu sais tu, te, tu, tu, tu mets la machine à on <laughs> puis euh, tu te regardes toi-même tu dis mais comme tu dis ça sort d'où, ça c'est c'est déjà sorti euh, euh, mais quand tu faisais ces pay-per-view là <coughs> seul euh, euh, le côté euh, de, du nom des prises, tout ça revenait aussi pour toi, tu donnais l'image de ce que tu voyais sans trop appeler les prises par le nom des prises et surtout les fameux finish là, que, que faut que tu ailles le vrai nom là, puis ça change continuellement. Toi, tu comment tu voyais ça quand tu étais? Ben, j'ai fait, fait un effort supplémentaire, c'est sûr. Oui, hein? Parce que tu sais, j'ai toujours laissé ça à, à Raymond. Parce que effectivement, comme tu dis, ça change souvent. Puis euh, une telle au, au, euh, au tout début, c'est tu sais, bon, c'était très vraiment c était, c était difficile à, à, à savoir sur le coup qu'est-ce qui est quoi. Mais si je dirais qu'à ce moment-là, c'était rendu un peu un mélange de tu sais, un DDT. Puis il y a des choses qui sont faciles, ouais. plus faciles à reconnaître. Et puis comme aussi le, 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 le public, l'auditoire. Avec qui j'étais. Euh, surtout à ce moment-là, tu vois, c'est encore après avoir été sur Facebook pendant, pendant beaucoup plus longtemps, puis les gens savaient que je n'étais pas un gars de la lutte au départ. Puis ont eu, ceux qui faisaient celles qui m'appréciaient, qui m'ont apprécié, euh, c'était pour mon personnage, c'était pour, pour, pour ma folie à moi. Ceux qui ne m'ont pas apprécié, ben, <laughs> c'était peut-être pour. Je ne veux pas aller faire, faire l'enquête. <laughs> non, non! <rire> Je sais que j'ai je, je, probablement dé, défoncé le temps que je t'avais demandé, mais j'ai mon ami David Jouan, qui est mon, un peu mon producteur en France, qui ah, m'a dit, il faut que tu y poses ces questions-là. Quand oui. Est-ce que tu étais différent à, lorsque tu faisais Superstar et un pay-per-view? Est-ce qu'il y avait une différence pour toi? Ben, écoute, la, di la différence, c'est qu'on était… Euh qu'on était sur place dans les pay-per-view, on était dans, euh, dans, dans les arènes, dans les, dans, dans les auditoriums, qui, juste, le, le lieu physique, comme tel, tout à coup, donne une, une grande ampleur, puis te remplit d'une énergie exact. que tu dois manufacturer jusqu'à un certain niveau quand tu es tout seul ou avec ton collègue à, à, en studio. Alors, euh, c'est sûr que euh, je ne sais pas, en termes du coup... C'est es, ça, c'est que tu as une énergie qui est... Es comme si tu étais déjà soulevé. Ouais, les, réactions des, la, les réactions des salles, des, le, le pouvoir incroyable que le public a sur place. Moi, c'est une chose qui, qui m'a toujours fasciné. Euh, quand je pense, tu vois, par exemple, aux gens, au public dans, un, dans une salle de théâtre, une publie, un public dans euh, une arène de, de lutte, le pouvoir que la salle a de changer ce qui se passe sur scène, de comment les lutteurs doivent réagir. Tu sais, quand tu fais quand tu as 20 000 personnes qui crient pour Pourri! Pourri! » ça relève la sauce. Oui, oui, c'est ça. Oui, alors je dirais que c'est un peu ce mélange-là qui faisait la différence. En 2000, euh, Ray a fait euh, ouais. euh, avec euh, M. Euh, Hartman. Et euh, David se demandait ce que c'était parce que toi, tu travaillais sur un, euh, une production autre euh, euh, que tu n'étais pas là ou, ou ça ne te dit rien? Non, je sais euh, non, j'étais euh, on m'a pas demandé de revenir. Apparemment, il y avait quelqu'un okay. qui parle. Qui, était, qui faisait partie de ce groupe de ceux et celles qui ne m'appréciaient pas, je pense. Ah. Écoute, je... À canal, je pense. Et justement, en 2016, Mais... à WrestleMania 32, tu as travaillé avec Hartman, puis ce, ce fameux pay-per-view-là n'est plus sur le Network. <rire> euh... <rire> Mais, Mais tu m'étonnes. Mais moi, je ne sais pas, là. honnêtement, je, 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 je prends les questions de David. Euh, quand tu dis tu m'étonnes, ça veut dire que tu n'es pas très fier de ça ou quoi? Écoute, euh, ben, tu vois, contrairement, contrairement à ce qui s'est passé en 2000, on ne m'a pas demandé de revenir en 2000. En 2016, on est, on est venu me, me, me rechercher. Et on m'a dit Jean, tu vas travailler avec, vas travailler avec Philippe. Et moi, je connais bien, je connaissais bien Philippe. Parce qu'il y a vécu et à New York et à, et à Montréal aussi. Et puis, donc, on se connaissait par les milieux d'acteurs, le, justement. Alors, euh, donc, on, on, on s'appréciait bien, mais on était tous les deux à faire le même job. Deux uh, color men. J'ai dit euh, Tom Carlucci, notre, notre producteur, qui me rappelle dit, dit, OK, mais je, moi, je ne peux pas faire le play-by-play. -play. Et puis, Philippe, je ne vois pas très bien comment Philippe pourrait le faire. Ben, il dit, écoute, on, on a 5-6 semaines. On va vous amener en studio une fois par semaine. On va retravailler. Philippe va travailler Philippe a travaillé beaucoup là-dessus. Effectivement, Philippe va travailler beaucoup. Mais ça prend plus que 5 semaines, je pense, pour arriver pour tout à coup à WrestleMania. Euh, pour, pour vraiment assurer. Bonsoir et bienvenue à cette 32e édition de WrestleMania ce soir. En direct de Dallas, au Texas. Je m'appelle Philippe Hartmann. Je suis votre animateur pour la soirée et j'ai nul autre qu'à côté de moi, Jean Brassard. Philippe, c'est incroyable, mais je sens l'énergie épouvantable qu'il y a dans ce stade ici, au AT&T Stadium. Ce qui est arrivé, c'est que ni l'un ni l'autre, on pouvait vraiment assurer non seulement, notre... c'était déjà quelque chose d'assurer de, 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 de ton propre retour euh, 16-17 ans plus tard, d'assurer ouais. une équipe qui n'a jamais existé. Et pour Philippe, de, de reprendre de prendre un boulot qu'il n'a jamais fait, euh, c'était beaucoup, c'était beaucoup trop, en fait, tu vois. Et puis on a, il y a eu une coupe de bifus, il, il, il y a des choses qui sont dites en ligne que je, je répéterai pas, mais qui vraiment c'était en euh, dehors du film, de tout. Euh, puis il y a un autre producteur qui a saisi quelque chose à un moment donné. Qui... Donc finalement, c'est. Après ça, euh, on m'a demandé de, de, re, de revenir, de continuer. Et puis moi, j'ai dit, ben bah, écoute, pas dans cette situation-là, parce que ouais. je suis pas à l'aise, puis je vais être fier justement de ce qu'on fait. Euh, je ne veux pas revenir justement par voir honte. Et puis là, euh, je veux pas. Et puis donc, c'est moi à ce moment-là qui ai suggéré qu'on m'appelle euh, Raymond. Qui, ben oui. Euh, ben oui. J'ai parlé, parlé à Raymond. Raymond a dit Ben oui, écoute, n'importe quand. C'est ce qui était logique là, en partant. Mais. Mais des, des fois, je sens avec les. Tu sais, j'ai fait WWF, WCW, j'ai eu ma propre fédération, TNA, mais on dirait que des fois, ben oui, c'est en français, vous allez être correct. Vous allez vous arranger, vous allez être bon. T'sais, parce oui. que les autres, ils, ils, pour eux autres, le, le, le français, là, de plus en plus, si tu regardes avec les événements WWE, All Elite qui vont en Europe, partout. Là, j'ai l'impression que le côté international, il faut peut-être leur dire Hey, il y a du monde là-bas, on remplit nos salles là-bas, ce serait le fun de leur parler. Mais mm -hmm. dans, le, dans notre temps, nous les vieux, euh, C'est comme s'ils si, si disaient, bah, du français, là, ils vont être corrects. Non? Ils en ont fait beaucoup, je pense, avec les langues, avec les langues étrangères, éventuellement. Ont... Ben, C'est parce qu'en autant, ils, ils faisaient confiance à au moins une personne. Mm. Comme du côté des, euh, euh, des Allemands avec WWF, ils avaient un commentateur de force aussi, un peu comme Raymond, si tu veux, qui mm. n'était pas, pas un ancien lutteur, mais qui, quand même, était vraiment très, très connaissant dans le... Dans le métier, dans la matière et tout ça. Alors je pense que quand ils savaient qu'il y avait au moins une personne qui était comme ça. Mais, alors, mais quand ils nous ont ramené, ben c'était plus ce que tu, que, tu, que, tu, que tu dis, c'est qu'ils ont dit Bon, écoute, ils ont, ils, ont, ils ont deux, tous les deux fait la job. Right. Mais ils ont saisi la, la, la nuance que c'était comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Après ça, <laughs> à, à partir de mai, mai 2017, je pense. Euh, Raymond et moi, on a eu une deuxième chance de retravailler ensemble. Ça, c'était encore un plus grand plaisir parce qu'il y a eu tout le temps qui était passé qui nous a fait réaliser ce qu'on avait. Bonjour tout le monde. Ici, Raymond Rougeau que Jean Brassard... Attends, j'ai mal entendu, qu'est-ce que tu as dit J'ai dit nul autre que Jean Brassard, le célèbre Jean Brassard. Ah, C'est fantastique ah. Raymond de te retrouver 18 ans plus tard. Ah, quel plaisir. Ouais. Ouais. Quand on est revenu, c'était vraiment, je le, 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 la joie, c'était de retravailler ensemble, puis de continuer à, à raffiner notre, notre rapport de travail, de, partena de partenariat. Ouais. Et... et de, de derrière les micros, devant, le, de, de devant les caméras, comme euh, dans les coulisses aussi. On a développé une, une amitié qui est vraiment euh, très profonde, je dirais. À, à, avant de te laisser partir, Jean, je regardais Royal Rumble, puis euh, euh, souvent, ils sont trois. Tu sais, déjà travaillé à trois? Moi, je ne serais pas capable. Je, non. Je, je, je pense que je ne l'ai jamais fait. Non, il n'y a rien, il n'y a personne. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui. Parce que peut-être, peut-être que Pat Patterson, je ne pense pas que Pat est Pat a remplacé Raymond une couple de fois quand Raymond partait à la chasse. Le père de Raymond est venu, Jacques est venu. Mais à trois, il me semble que non. Okay. Ça ne doit pas être problème. évident à trois. Parce que tu parles de cette complicité-là à deux, que tu viens, que es, au début, tu te fais des signes, en tout cas avec Ansem qui était nouveau jusqu'à trois ans, euh, on, uh -huh. et, et, là, et là, ça roule. Tu sais, on, on, mais d'avoir une, une troisième personne qui lui essaie de, de prendre sa place, là, et que ça ne doit pas être évident. Oui, ben, il y avait le cas, ben, il y a le cas là, chez les anglophones, ça se, fait, ça se fait beaucoup plus. Puis il y a eu le, certainement les Allemands à la WWE. Euh, il, y a une, il y a eu euh, un, un ancien dont je te parlais tout à l'heure. Puis quand ils sont revenus, ils ont emmené deux jeunes collègues. Alors lui, il agissait beaucoup plus, si tu veux, comme mentor aussi au départ. Mais effectivement, après, à un moment donné, ça ne euh, marchait plus très bien. Puis ils sont revenus à deux. Ouais. Écoute, euh, 1997-98, semble-t-il, est-ce que c'est est -ce est toi qui avais parti de la pétition pour ramener WWF sur Canal Plus et t'arranger pour que moi, j'ai plus de job? <laughs> bon, écoute, là, tu me coinces vraiment. C'est euh, David qui m'a dit, écoute... j'ai entendu à travers les branches que la pétition pour ramener la, la WWF venait de Jacques. De ah oui, sur, sur MyClick. Mais là, ben, je, vais, euh, je vais contacter mon avocat. <laughs> et on vous rappellera. Au revoir. Jean, ce fut un plaisir. Ah. On, on a fait euh, presque 21 minutes et on s'avait dit 10, ah. 10, 12. Mais, ma facture. Oui, oui, oui. <laughs> à David Jouan, je t'envoie son adresse. <laughs> ben, avec plaisir. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de te parler. J'espère qu'un jour on aura la possibilité de se serrer la pince tous les deux, sait-on jamais. Avec grand plaisir. Merci Marc. Merci. Bonne fin de journée. À toi aussi, merci. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus. Tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue de pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour au podcast, soyez-y mesdames, messieurs. Le prochain invité, Marc, a été ton collaborateur à TNA, à RDS. Et là, il y en a eu des citations, des catchphrases qui sont sorties entre vous deux. PCO. Oui, ouais, deux pieds de bras, PCO à la, 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 la que vous allez pouvoir entendre par PCO suite à l'entrevue. Euh, écoute, il est arrivé en 2005 peut-être, là, euh, il a remplacé le tourneur, et il était là jusqu'en 2008. Euh, alors, on a fait plein de folies ensemble et ne euh, euh, soyez pas surpris, on parle pas de PCO lutteur. Cette entrevue-là, c'est vraiment... Sur le côté analyste coloré. Voici donc un de mes bons chums, un des bons chums à euh, nul autre que Pierre-Carl Ouellet, PCO. On est content de retrouver Pierre-Carl Ouellet, celui que ceux qui prennent une chance de l'appeler Pierre le font au risque de leur vie. Euh, comment ça va, mon PCO? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Ceux qui sont sur YouTube, admirez la couleur du chandail de PCO. Wow! Ça fait Miami Vice. Mais ben, <laughs> ça me fait bien pareil, tu penses. <laughs> je reçois plein de compliments. Je reçois des compliments. C'est sûr. Écoute, t'es comme un mannequin international. Tu sais, C'est ouais. <laughs> sûr. International. National. PCO, je t'ai pris à la dernière minute. Et euh, je suis content d'y accepté. Je sais que j'étais très demandant euh, les dernières semaines. Mais sur les colored commentators euh, ouais. dans le monde de la lutte, je ne pouvais pas passer à côté. Euh, tu te souviens, je t'ai appelé la semaine passée, je t'ai fait du centre belle. Les gars me disaient ah, c'est qui le gars qui disait toujours deux pieds de bras Puis Même aujourd'hui, écoute, on a arrêté, quand? On a arrêté en 2008. Ouais. On est en 2024. Le monde ouais, en parle. Ça a encore. marqué l'imaginaire du Québec, c'est sûr. Exact. Ici Marc Blondin à mes côtés. Mesdames, messieurs, 6 pour 20 C'est le prix de ces T-shirts. Il n'y a plus de gâteau, je peux y aller. Monsieur Wallet, vous avez passé un bel anniversaire? Très bel anniversaire. Puis Blondin. Monsieur M Blondin. Non, t'es jaloux de mon style. T'es jaloux du PC style puis les gens à la maison, ils savent exactement c'est quoi PC Austère, puis c'est qui PC style, puis ils sont fiers de son PC Austère. Ceux Star. qui sont pas à maison, il y en a des bars, il y en a partout, Les autres, c'est euh, pas grave. Juste ceux qui sont à la maison. Partout dans le monde entier. Dans le monde entier. Oui, parce que je vous conseille, pas... mes amis, jusqu'au Nouveau-Brunswick, jusqu'au Lac-Saint-Jean, jusqu'à Rouen-Naranda, puis tout partout dans le monde. Puis je vais te dire quelque chose, Blondin. Tu sais la différence entre toi et moi? Oui, l'intelligence. Non. Des gars comme toi, on en trouve partout. Mais des gars comme moi, on en cherche. C'est vrai. Ça, c'est pareil comme des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. T'en comprends-tu? T'es un peu, là. Hey, Comment, hein? okay. Comment ça se fait que vous portez pas de chandelles RDS? Je suis obligé moi, de les mettre. Hey, je te l'ai déjà dit, je vais te le dire. À deux pieds de bras, là, les chandelles d'RDS, ça me coupe la circulation sanguine. Ah, c'est bonne idée. capable Master, c'est mon style. PCO style. Puis toi, quand t'es arrivé, là, euh, tu sais, un, t'as remplacé euh, euh, Shelby. Ben, <laughs> le euh, ton chum à euh, Comment tu l'appelais, le tourneur ou je sais pas <laughs> quoi. <rire> <C 'est... rire> Mais euh, t'es arrivé, t'avais jamais fait ça, toi. Ben, parce que j'ai fait un peu d'affaires à Porto Rico, mais c'est pas vraiment comme des des shows complets, mais je faisais beaucoup de choses pareilles à la TV là-bas puis j'ai un peu d'expérience. Qu'est-ce que tu avais Qu trouvé t'sais... le plus difficile? Je sais que, que tu étais très limité en tant que, que, que mot. Tu utilisais une banque d'à peu près 34 mots. Non, je trouve que non, ben, grâce à toi, ben, faut que je te donne ça, j'ai amélioré mon français beaucoup. Euh, ben, ceux qui me connaissent, ils vont dire il devait être dans la marde avant parce que Blondin il n'est pas très bon. <laughs> ben, si on regarde qu ce qui se fait aujourd'hui, je pense que tu es, es quand même en avance sur, sur plusieurs. Tu sais. Ah, tu ben t'es bien fin. Ben des anciens athlètes, là, tu sais, ouais. c'est sûr que des fois, ils n'accordent pas euh, tu sais, les, les bons adjectifs ou les, les bon, tu sais. Ouais. Je sais pas, ils mettent un féminin quand, tu sais, mettons, euh, au lieu de dire tout c'est parti, on disait dit tout c'est parti de hockey, tu sais. Tu sais, ça qui était le plus dur, mais ma mère me reprenait, tu sais. Euh, ben, le nom de ma famille, elle pas, dire non, mais c'est pas, c'est pas correct hein. en même temps, je sais que je suis lutteur, puis je suis pas supposé avoir un, un français impeccable, là. mais tu sais, ouais. j'ai quand même une certaine fierté de m'améliorer au fil des choses. Tu sais. moi, je pense, bien. avec les entrevues que, que je fais avec toi pour le podcast, je pense que tu es énormément meilleur aujourd'hui que tu l'étais quand on était à RDS. Ça se peut, ça se peut. Je, 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 tu sais, de, la, de la façon que je texte, de la façon que j'essaie d'écrire, j'essaie tout le temps de. J'essaie un truc de. le plus proche possible de, de, de me forcer. Ben, je, je me force. Dans les, euh, dans les commentaires que je reçois, euh, le deux pieds de bras, euh, les gens s'en souviennent, et le fameux la, la, la Oui, la... ça, c'est les deux, c'est sûr qu'on va s'en le plus, mais tu sais, on, on a inventé, tu sais, j'ai Tant de je inventé, on l'a mis ensemble, tu sais, comme euh... Euh, la barrière de euh, métallique noire. Euh, <laughs> après ça, c'était rendu galvanisé en argent. c'est a... <laughs> En <rire> passant <rire> sur TNA, je, je le fais à chaque show. Oui, oui. Puis, euh, tout avait les tiennes. Le euh, but de monde, les bris. Et c'est pas le fromage. Mais tout, tout a toujours les tiennes. Mais tu sais, euh, je pense que j'ai aidé à rajouter un peu de couleur là-dedans. Puis... Euh, embarqué, puis moi j'aime me ça de faire euh, t'sais, t'sais, des, euh, des, des affaires qui se peuvent pas, là. autrement des, dit, des, des mots inventés. Des, des perronismes pérenn... ouais. à la façon de PCO. Ouais, des perronismes, puis là, malheureusement quasiment des stéluïtismes aussi, là. Mais parce que Martin aussi, il est drôle avec… On joue la game dans la game, puis ouais, dans la ouais. game, puis… Oui, c'est ça. En a, il y en a une couple avec, là. La Mais, chaise euh... en bonne chaise, il faut que tu voles la chaise, puis… Oui, <laughs> puis dans la Ligue américaine, il joue aux Dames, puis dans la Ligue nationale, il joue aux échecs tu sais. <laughs> Oui, c'est ça. ça. <laughs> Mais euh, toi, dans ces années-là, pour ceux qui euh, vont aller voir certains… Euh, certains footages, des, des images sur YouTube. On est ensemble de 2000, 2005, peut-être? Oui, environ ben, ça, parce qu'on s'est rencontrés pour le coup en 2005, d'après moi. Fait, aussi, je suis revenu de voyage, en ce au mois de juin ou quelque chose du genre, peut-être septembre, juin, septembre. Ça veut dire qu'on a fait maximum trois ans, puis le monde s'en ouais. souvient encore. C'est pas comme si on avait fait 20 ans, là. Non, on a fait trois ans, mais je pense que c'était trois ans parce que c'était pas mal écouté. Puis c'est trois ans parce qu'on a fait beaucoup de choses, tu sais comme euh, les PCO Party, les, les Wrestlemania, les, le monde venait, puis tu sais il était content de participer parce que ça participait fort à nos affaires, pareil. Ouais, ouais, quand on avait été chercher euh, notre trophée du pire, euh, ah, du pire ouais, mais je le connais. les connais, total, total crap. Total crap. Total crap ouais. Ouais, Simon, il m'a dit que ça faisait 22 ans qu'il était ton, euh, en train de filmer euh, une affaire pour toi. Là. Je ne sais pas si ça va sortir euh, dans, le ouais. dans le prochain euh, siècle. Non, mais eux autres, ils ont filmé un documentaire. Puis, la fin que les autres veulent, c'est quand je donne la ceinture de champion du monde à Ring of Honor. S'ils veulent euh, ouais. euh, rentabiliser le projet, t'sais, mais, t'sais, moi, je sais qu'il reste encore plein de choses à faire à gagner puis à, c à participer, puis tout ça. Fait tu sais, moi, je l'aurais tiré tant qu'elle sortait, ça c'est encore une fois. Puis, euh, tu sais, allé sur plusieurs années, c'est... Quand t'es en temps réel, je trouve rien de plus fantastique que ça. Tu sais, ton, ton documentaire a pris dix ans à faire, c'était tiré sur huit ans ou sur sept ans, c'est pas un petit documentaire de trois mois. C'est sûr, c'est sûr. Mais je veux pas parler de ça, je veux parler non. de... De, de... nous autres. Oui, de nous autres, de nous autres. Tu sais, quand tu avais cassé le trophée, moi, j'étais tout fier, je faisais l'épée. On a gagné le trophée, puis là, tout que tu l'avais pris, tu l'avais détruit. Euh, le gâteau que tu m'avais foiré, ça ta été. À ta fête? Non, c'est pas à ta fête, le gâteau. Je, sûrement, ça eu, sûrement. On a eu plus, d'un. Tu sais, il y a eu euh, le gâteau, il y a eu une coupe d'affaires. Spaghetti. Euh... Ouais, c'est ça. Il y a eu aussi l'affaire avec euh, Infoman. Ça a été gros, ça. Ah, oh, ouais, mais moi, je pensais qu'on se dirigeait vers un combat entre moi et Jean-René Jean Dufort. Je, je, moi, je me deux choses. Euh, c'était la prochaine étape. Là, dans La punaise masquée. Ouais. Mais euh, c'était la prochaine étape. Écoute, et, euh, parler de moi en mars. Par l'entremise de moi, moi c'était notre show. Des, des, je pense que RDS avait donné le droit de passer des images de Radio-Canada, j'imagine, parce que ouais. toutes mes répliques étaient repassées dans son, dans son show ouais. du. Comment ça s'appelle son show? Informant. Informant. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, je ne sais pas si de ton côté aussi, on n'aimait pas vraiment <laughs> la lutte, mais on vous regardait, on vous écoutait, parce qu'on avait toujours l'impression qu'un jour, il, il était euh, PCO, te sacré une volée. Les gens oh ouais, qui n'étaient ouais. pas des fans de lutte savaient qu'il y avait un show juste à nous voir. On, on passait peut-être quoi? 5 euh, euh, minutes max en euh, ouais. cam, mais je pense ouais. qu'on était divertissant en temps. Oui, ouais, parce que il y, y a beaucoup de facteurs aussi qui faisaient ça. Tu mettais ta chaise super basse Ouais. Bon, ma chaise était montée. Un... On... Ouais. <laughs> on arrivait presque pas égal dans l'écran. Ouais. c'était le... bien fait, je trouve. On avait beaucoup de petits détails où on jouait un peu cette carte-là que toi, étais baveux, moi, étais tout était baveux puis moi j'étais tout puis Moi, baveux? Ben. Dans ton Voyons. personnage. Pas, pas oh, le vrai Marc. Okay, Marc, n'est okay. pas de même. Mais, ben, mais, mais, non. <laughs> ben, Blondin, il est le même, le personnage. <laughs> mais toi, en tant que tel, non, tu es un bon gars. On a reçu deux questions de, de fans que je dois te poser. Est-ce que tu avais vraiment deux pieds de bras? Ouais, c'était vraiment, vraiment proche. C'était pas gros te dire que ça arrivait à 24, là, mais ça n'arrivait rien dans le 22, quelque chose. Là. Eh hey boy, c'était gros, hein? Oh oui. Eh hey boy. Et l'autre euh, question, c'est as-tu vraiment eu un PCO-Copter? Ah, pour le vrai? Non. <laughs> non, non. Ah, non, le PCO-Copter. C'était copter. Pour... vraiment, ouais, c vraiment okay. cool, mais... c juste, ça. C'était vraiment cool. C'est juste de jouer avec l'imagination de ça, là. L'imaginaire du monde, c'est vraiment incroyable. Sûr. Toi, à titre d'amateur, de, de lutteur, euh, c'est qui que t'aimes dans les color men, passé ou présent? Euh, moi, ça va là, présentement, il n'y en a pas beaucoup, mais moi j'aime beaucoup, euh, mettons qu'on va tu sais, en français, on n'en a presque plus. Est, mm -hmm. Il y a encore toi. <laughs> c'est toi. Ben, col <laughs> color, c'est handsome. Moi, je suis plus le play-by-play. -play. Ouais. Non, mais ben moi, en anglais, parce que j'ai été un gros fan de Gorilla Montu. J'aimais jamais comment il faisait ça, vraiment. Mais lui ai aussi, c'était aimé... un play-by-play, -play, non? Moi, oh, oh, ah, non. Vince play -by -play. Okay. faisait le play-by-play, okay, Gorilla faisait le okay. caller. Il mettait beaucoup de crédibilité, puis sa voix. Moi, moi c'est les voix. Je suis sûr qu'il apprend des ouais. voix pour ça. Euh, un autre que j'ai beaucoup aimé, mais tu puis d'un Québécois, je vais te le dire, c'était qui, un de mes préférés? euh, j'ai bien aimé Lord Alfred Hayes aussi, parce ouais, que j'aime ouais, beaucoup ouais. l'accent d'Anglais. Ça c'est la même affaire, quand ouais. hein, que Carpentier, Guillory, c'est sûr que Carpentier, c'est le play by play. Mais pour avoir été lutté souvent en France, puis les entendre, ça fait comme ouais. un style différent à la française, mmh. tu sais. Ça fait, on dirait que ça rentre sérieux, tu sais. Puis ça fait la même chose qu'un Anglais d'Angleterre, je trouve. Mais, euh, un des Québécois que j'ai adoré, là, de valeur que, qui screw up un peu avec euh, la WWE dans le temps ou WWF, c'est French Martin. Moi, je l'ai trouvé réellement bon. Ouais. Je l'ai poigné sur une coupe de, des spéciaux, là, comme ouais. en euh, spécial euh, Saturday Night Live avec Vince ou avec un autre qui faisait le play-by-play. -play, pour, pour un gars du, euh, de Jonquière ou du Saguenay, euh, il débrouillait en tabarnouche. J'étais oui. vraiment impressionné. Tu parles de voix. La voix de Frenchie. Ben, il y avait la voix comme ça. c'est en anglais. En tout ouais. que c c moi, j'ai adoré Frenchy dans le de la télé. Ouais. Je, je l'aimais avec Dino pareil comme, comme manager. Ouais. Mais c'est le caller, j'étais surpris. Là, je le trouvais vraiment bon. Ouais. J'ai vraiment apprécié Frenchy. Il y avait de l'imagination. Ouais, ouais, ça prend ça. Ça prend ça. Tantôt, tu as mentionné le mot imaginaire en parlant du PCO Copter, qui, ben est, oui. qui, est, qui est comme la Bat Copter, mais celle de PCO. Là. Ouais. Il y a celle de Batman puis il y a celle de PCO. Mais il ouais. euh, faut, faut que tu joues dans l'imaginaire. C'est un peu, j'ai eu à, avant toi Jean Brassard, que j'ai eu ouais. une longue entrevue. Puis, il disait qu'ils ne connaissait rien à lutte, mais ils ont dit rajoute de la couleur sur ce que tu vois. Fait okay. que, euh, c est, c est... As tu sais, c'est... T'as-tu travaillé avec Jean, toi? Jamais. Moi, j'ai toujours Moi, le remplacé compétition. Euh... Des fois, avec Raymond, j'ai fait une couple de fois, j'ai remplacé à WWF, que j'ai fait euh, en français avec Raymond au jour, peut-être quatre ou cinq. Ça, tu me demandes, j'ai de l'expérience, j'ai fait quatre cinq fois avec Raymond. Moi, okay. Okay. Ouais, dans euh, à Stanford. Tu parlais de voix. Je vais avoir euh, euh, dans les... Euh, dans cet épisode-là, je vais avoir notre ami euh, Gramma King Matt Raywalt, qui ouais. va être en entrevue pour le podcast. Il fait un bon travail, je trouve qu'il fait, fait une bonne job. Je trouve... Euh, il y a une bonne ça, voix, il... en tout cas. C est, c est, c est, c est il est d'aplomb, tout tout comme euh, je pense que c'était je ne sais pas, mais Wade Barrett, ils ont pris un autre gars dans la tête. C'est comme euh, ça revient souvent, là, tu sais, moi, il est pour moi, pas Matthew. Matthew, c'est un, un américain, mais euh, il, fait, il, fait, il fait une bonne job avec Thomas Lefon. Hein, oui, ouais, c'est la voix parce qu'il est moins fou que, que nous autres. Là. On, je ne sais pas si c'est parce qu'on a du sang latin. Là, souvent, ils disent ça. Là, mais c'est sûr, côté, ouais. côté francophone, en tout cas au Québec, on est tous un, tous un peu plus fous. Euh. Ouais. En tout cas. c'est ben, sûr que nous autres, comme à RDS, on n'avait pas... T'sais, on avait tout le temps pour faire les commentaires, mais t'sais, t'sais, où est-ce qu'on faisait plus le spectacle? C'était sur euh, le on-cam. Quand on était là, là ouais. on voulait donner un bon souvenir aux gens, puis euh, lui donner un bon moment, puis de, un bon divertissement. T'sais, mm. t'sais, tu viens-tu quand tu je... avais mis ma, ma tête sur ton corps? Oui, oui, oui. C'est la fois, la bon. fois de ma vie que j'étais le plus en chef Ouais! <laughs> Mais, tu sais, euh, l'équipe était cool aussi avec Nathalie Tremblay et tout ça. Tu sais, ouais. l'équipe de ce temps-là, mm -hmm. même à larrière scène on pas tout le temps du fun, même son assistante, euh, tous ceux qui ont participé. Je suis obligé de nommer Kelly. <laughs> <quelqu 'un. laughs> <Okay. rires> Hey, hey, Dis-moi, euh, on sait qu'il te reste peut-être un, un 10-15 ans de carrière en tant que lutteur. Ouais, C'est-tu <laughs> quelque chose C'est pourrait... Sting, This ça va être comme Sting. Oui, know? ouais, c'est ça. cest tu quelque chose qui peut te tenter à la fin de ta carrière ou tu l'as fait, c'est fait, c'est fini. On ne sait même pas la lutte va être rendue où dans 10 ans. Ça va être quoi la lutte au Québec? Ça va être hum. quoi la lutte dans son ensemble? Ça... On va être rendu où, tu il sais, y a beaucoup de nouveautés. Je ne tu sais, sais pas, on va tu sais, avec les Netflix, tout ça. Il va savoir de quoi va se faire au Québec avec les autres promotions, avec les autres organisations. C'est tout des points d'interrogation, c'est certain. Ça pourrait. C'est sûr que tout ce qui est le monde de la communication, télé, radio, c'est qui va m'intéresser? Ouais. Mais tu sais, tu, tu parles de Québec, moi je parle toujours de euh, francophonie. Je pense qu'ils sont ouais, plus est loin bon, que le ouais, Québec. Ouais, parce ouais. que autres aussi, si, euh, si les gens, les, des Europes, comme j'aime le dire, nous avaient vus, nous avaient écoutés, ils nous auraient trouvé drôles. Euh, Est-ce que, est -ce que mieux? Non, parce que c'est français que tu pas d'humour. Non, mais ce qui est mieux, c'est que à cause de YouTube qui a évolué beaucoup. Bon, il y, a des, il y a des Français qui écoutent des podcasts québécois, il y a des Québécois qui écoutent des podcasts, fran fr des podcasts français. Euh, comme ma fille, elle emploie plusieurs. Euh, elle a la flemme, en, plusieurs expressions françaises sont rendues dans nos, notre nouvelle génération. Ouais. Euh, puis ils sont capables de nous comprendre plus. Tandis que euh, les premiers Québécois qui allaient là-bas, Garou, c'est le seul qui ne changeait pas son accent. Qui parlait mmh. québécois, no matter where, peu importe où ils était. Ouais, Mais euh, moi, pour avoir été, j'entends des fois du monde parler encore aujourd'hui. Aussitôt que tu parles québécois, une place en France, ils te répondent en anglais. Pense que pas Québé... Ils pensent que tu n'es pas français. Écoute, PCO, c'est un plaisir. Et euh... oublie pas l'Afrique. Vous autres aussi, il y en a qui parlent français là-bas. C'est sûr. Le Sénégal, puis tout ça. C'est sûr, j'avais été... J'avais été demandé, c'est quoi la, la ville finie par Berg euh, C'est Johannesburg. Le... Johannesburg, oui. On m'avait. Non, non, je te parle en Afrique. On m'avait. Ah, okay. avait... oh, ça, c'est l'humour de PCO qui revient. On m'avait demandé d'aller décrire de la lutte là-bas, puis j'avais dit ah oui, puis finalement ça n'avait pas marché, j'aurais pu aller voyager là-bas aller faire une coupe de pay-per-view, mais que veux-tu? Ça n'a pas fonctionné. Avant de terminer, peux-tu me faire un PCO style? Oui. PCO! La Deux pieds de bras. C'est bon. Merci beaucoup, PCO. C'était le fun de se rappeler ça. Puis euh, on se donne des nouvelles super, mon chum. Thank you. Merci, Top of the World. On est de retour après ce fameux PCO. Stal la 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 la, la, la... Et qui est, est tu coloré, hein? C'est incroyable. Écoute, il euh, y a présentement un personnage plus sombre, plus ouais. dark, mais ouais. le, moi, le PCO que j'ai connu, puis le PCO qui était à la télé avec toi. Il était complètement capoté, là. Et si tu te souviens bien, la semaine passée, tu m'as lancé un défi. Tu oui. Tu m'as dit je te défie d'avoir en entrevue à Matt Raywald de Drama King, qui est l'analyste coloré à TNA. Il t'a réussi à l'avoir Ben oui, j'ai. Ben voyons, dans les défis, wow! moi, je, relève, je relève ça facilement. Euh, et, tu, relèves, à... tu relèves les défis tel un Gaston Lepage des pauvres ah oui, il y avait quoi, une émission de défi, lui? Ben oui, relever le défi à Gaston Lepage, à TQS. Tu te rappelles pas de ça, Marc? Je savais même pas que TQS existait. Eh, et... bon, bon. Hey, vas-y, continue. Il y a pas eu de vote sur notre... Euh, parce que les gens le connaissent moins, connaissent ouais. pas. Mais euh, écoutez le, le, le timbre de sa voix. Ouais. Il a une voix incroyable. Il nous parle de son background, son passé euh, du côté théâtral. Et c'est vraiment... Vraiment une entrevue intéressante que, bien sûr, je traduis au fur et à mesure. Donc, on écoute le drama king, Matthew Rewalt. On reçoit sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que Matthew Rewalt, le, comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français? Drama king, le roi du drame. Comment ça va? Euh, ça va bien, merci. And that exhausts my French. <laughs> That's very good. Uh, you know, Matt, thank you very much for accepting my invitation. It was a challenge that Ansem GF sent me last week on this podcast. I said, We're doing something special on the color uh, commentators. And you said, Why don't you have, I challenge you to try to have Matt Weirwald. I said, I'm going to try for sure. And I really appreciate that you accept it. Oh absolutely and anything I can do to make handsome JF embarrassed and you know and and regret regret laying out a challenge thinking you maybe couldn't do it shame on you handsome JF shame alors il nous dit quand il dit shame honte à toi handsome JF il dit n'importe quoi que je peux faire pour rendre uh, handsome JF mal à l'aise et regretter ses défis je vais le faire ah, oui, <laughs> matt uh i was looking at wikipedia to get you know an idea on your uh, on your career you started wrestling around 2011 is that good yeah, yes yes yeah that, that sounds about wikipedia is always hit or miss with how accurate yeah. it is right so yeah. no no 2011 is, is just about right um i went to school in florida uh down actually at the time fcw which was the wwe before nxt development yeah, exactly exactly um, steve kern who ran that promotion at, on the side kind of a side business ran a night school where he would he would have norman smiley and mike graham train students wow. like a like a regular wrestling school and so yeah. for me my thought was because at chicago uh illinois at the time there was no really good schools so I said, I'm going to pack up. I'm going to move down there because if I want to wrestle for a company like WWE one day, mm -hmm. I'm mm -hmm. going to train by the guy who's training their guys. That so I, I decided to do that. That was bright. Alors, je lui demande si sa carrière a débuté vraiment, comme le dit Wikipédia en 2011. Il dit Oui, j'étais allé étudier en Floride. Justement, c'était avant NXT. Et euh, avec, euh, il y en a entre autres, Norman Smiley et une autre personne. Il s'est dit J'allais à l'école le soir, des gars qui entraînaient le jour euh, les futurs stars euh, de la WWF. Uh, WWE aussi. Uh, Matt, the first thing. I really recognized when I met you three years ago was your voice. And for me, I'm a radio guy. Uh, sure. Of course, I did TV and everything. but uh, in in the '80s and the '90s, when you were a radio announcer, you had a voice. Today, you have a name. So if mm -hmm. you don't have any voice, we don't care. You have a name, right. But to do our job, uh, the voice is very important. And that's I'm not saying that it's your best asset, but wow, what a voice. Oh, I mean, thank you. Uh, so uh, oddly enough, uh, I have never liked my voice, really? Um, yeah, I, it, it in a lot of ways. well, so there's a couple of, and this is something, and you may know very well uh, about this as well. So I came from an acting background. and uh sometimes I forget some of the training. and so for me, my voice is very unique. It is, it's this kind of deep throaty voice. And it, sometimes it can sound cool, but uh, sometimes as people have pointed out, I sound, I can sound like Kermit the Frog. <laughs> a little bit, I, I get, especially if I don't think of my training, I just, I lean back and I can kind of sound like this very, very easily. It's just very, but. Um, it's cool. <laughs> which can be cool for certain roles. If I'm gonna yeah. do a, a voiceover, yeah. maybe perhaps it's great. But sometimes for broadcasting, I want a little bit of a cleaner sound, so um, I do have a deep, throaty, unique-sounding voice. But I do—I always have to remember my training of supporting it with breath and not straining my voice and everything mm -hmm. and screaming from my throat. Like support that with breath, and it, you know, it sounds a little bit cleaner. It sounds better coming through the mic. So um, I have to combine. I'm lucky to have the voice that I have, but I have to remember my training. Vous avez sans doute remarqué le son de la voix de Matt. Il a une voix très grave. Et, et moi, quand j'ai rencontré il y a trois ans, c'est la première chose. J'ai dit, Waouh, quelle voix! Et je lui en parlais. Et lui, il nous dit, il vient d'un milieu euh, dramatique, de, de, de théâtre avant la lutte. Et euh, il n'a jamais aimé sa voix parce qu'il trouve que ça ressemblait euh, à Kermit le, le Frog. Alors, euh, s'il ne fait pas attention, s'il prend pas ses respirations et qu'il va pas rechercher ses cours de théâtre bien ça peut sonner comme ça donc faut il faut qu'il pense how did you adapt Matt from 2019 i think it's been 5 years again if yes. wikipedia is right that uh, you still wrestle but you you would you say your main work is uh, in the wrestling business is color commentating Yes. Yes. I. I still do. You know. We've talked about it before. I do the occasional independent booking from here, uh here and there. But I think I've really found my my bread and butter, my meat, as you know, meat and potatoes, if you will, as a comment color commentator. Alors je demandais si encore une fois Wikipédia était correct en nous disant uh, ça fait cinq ans, uh, janvier 2019. Et là, on est en 2024. Et oui, aujourd'hui, il fait encore de la lutte euh, euh, indie, de temps en temps, mais son, euh, sa priorité, sa job primaire, c'est vraiment d'être euh, à l'analyse plutôt euh, de la lutte euh, sur TNA. Euh, How was it to switch or to accept this new role? Uh, did they, was, was your voice? part of say he would be good doing that or or not at all um i mean i don't think it was a big part of it actually back at wwe when i first started doing commentary the person who asked me is my current partner tom hannifin really Which, yes at the time he was kind of the management uh overseeing the whole announce department okay. so he yeah he had come to me and just he just thought with my personality and with my, you know the stuff I'd done with Rusev Day and the Vaudevillains and even Aiden English and NXT, he says like you're you're this bright, colorful character. You speak very well. You're educated in performing arts, so you're very good in front of a microphone in front of a camera. Uh, he's like, I just think you'd be good at this if you want to give it a try. And so I said sure, and uh, and I went down there and I went to the performance center, called some matches with him and Byron Saxton. Et then Michael Cole gave me the opportunity on 205 Live and I've fallen more and more in love with it ever since. Alors il nous dit étrangement, et, quand il a fait le, 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 le switch, si vous voulez bien, de, de lutteur pour euh, les, les la compagnie euh, et qu'il est allé, c'est Tom Hanophan qui travaille avec lui justement aujourd'hui. À, à TNA qui est son collègue, qui sont nos collègues américains, et c'est lui qui a dit écoute, t'as as une belle personnalité, t'as un, un, un background du côté de, du théâtre, t'as une bonne voix, et c'est comme ça. But was it at the beginning? Uh, did it hurt your uh, your ego that uh, you, you couldn't wrestle? Not not that you couldn't, but right. they didn't yeah, yeah. let you. Wrestle and they ask you to do something else. Was that, is that tough for a wrestler? So I, it's, I have a funny story about that because when Tom was first starting to get his feet wet in commentary, he was doing NXT commentary, right? Mm -hmm. But they, mm -hmm. they started to use him as kind of a liaison between, um, kind of he was starting his managerial stuff. So he had asked me the same thing back in NXT I was like, okay. Hey, do you want, do you want to come in the booth, do some commentary? I think you'd be good at it. But my ego at the time told me, no, 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 no. You know, like my in my head, I'm very paranoid. The, you know, early days of, of your wrestling career, I don't want to give them any reason to take me out of the ring. Yeah. You know what I mean? There, yeah. A lot of people very protective of those in those early days, right? Like I had one goal, one track mind. Yeah. Um, I very foolish looking back on it. And I would say that to any young wrestler, very foolish. Normal, want, I think. Yeah, you want it's very normal, but I think it's but I think it's short sighted. Yeah, ha, ha, get as many talents as you can would be a big piece of advice for me. Like, learn, learn commentary, learn how to be a valet or a manager, learn, learn how the audio works, how cameras work. Maybe you could be a producer one day. Because look, only only one guy can be Roman Reigns, only mm -hmm. one guy can be The Rock. You know what I mean? Or and yeah. then there's there's a cup, there's some top guys, but like man there's thousands and thousands of people who are trying to be on that roster of tv wrestlers and there's only so many spots so the more skills you can have the better so yeah then flash forward at the time when he asked me again it was uh it was at a time when i was coming down from rusev day and didn't have much going on ideas i threw out weren't getting you know through to the creative team so uh it was much it was a time when I was like, "Look, no, I want to do something else. I want to contribute to the show." And you would not believe how much happier I have been since just embracing it instead of this idea of like, "Oh, they're 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 taking something away from me." No, 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 no. This is an opportunity. Wow. And that is something I would share with so many talent out there. The idea of like, it's the classic case of uh, whether you believe in God or, or whoever it is, but the idea of like one door closes a window opens. Yeah. You know what I mean? Yeah. It do, it don't, don't just keep kicking on a door that won't open for you. Exactly. Right? Look for other opportunities to, to do the things you love. And like, I love doing this so much. Wow. Let me translate that. I'll i did do so my long. best. I did. Forgive me. <laughs> Alors, je lui dis, je lui demande, tu sais, le gars qui lutte et qui se fait dire, veux-tu venir faire l'analyste uh, uh, coloré? Ça doit faire mal à l'égo parce que pour toi, tu es un lutteur. Et il me dit... C'est tellement drôle parce que Tom Hannafan qu'on a parlé tantôt lui avait déjà demandé quand il commençait pour à lutter. Et là, lui, il a dit non, 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 moi écoute, euh, j'ai une vision, c'est d'être dans le ring puis tout ça. Et il dit, selon lui, c'était une erreur. Moi, je lui dis, c'est normal. Quand tu es jeune, l'ego. Il dit le message que je peux dire euh, tous les jeunes lutteurs, ne te ferme pas de porte. S'il y a une porte qui ferme, il y a une fenêtre, un window. Qui s'ouvre. Alors, ça donne la, la chance d'avoir plus uh, d'arc, uh, plus de flèches à ton arc plutôt. Alors, quel beau message de, de Matt. Et, um, I know I asked you for about 10 minutes. We're almost there. Uh, How do you react when you see Ensim uh, and myself? I mean, we're loud. I'm sure you you you, you match. Uh, uh, he probably said, "Wow, those guys are crazy." Or do you see a difference between the two uh, languages? Um, I know you're concentrated on your. Work. Of course, yes. Me, me, and Tom are at our table, concentrating very hard as you guys are at yours. Um, quite frankly, I I think I think we bring just as much craziness sometimes as well. I do, I do. Um. I think it's just is man at the end of the day, it's just words. The same energy is there, the same passion is there with you guys as with us. Um, I do think certain languages, though, musically, you know, the way they sound, do play into that that energy and that vibe. I think French is there. I think um, two of my favorites are Spanish and Italian. To listen oh, yeah, to like sports yeah. announcers and everything oh, you ever yes. see, so Spanish football announcers. Oh, they're so. <laughs> there is something about that language that just lends itself to to the excitement and to that energy. But but at the end of the day, again, you bring that passion, you bring that energy that translates in all languages. Alors, je vous demande si il a remarqué que ses collègues à côté de lui, ses collègues uh, francophones, and some GF and moi, on était, on, on criait trop, on mettait trop d'énergie. Tu sais. Il dit non, il dit, je pense même que nous autres, on aimait autant, pas certains de celles-là, mais il dit, euh, tu sais, dans le fond, on a la passion, euh, on a l'énergie et euh, on fait une job. Il dit ce qu'il aime aussi entendre il dit qu'il y a des langages comme l'italien, euh, l'espagnol, euh, que c'est des, des langages qui sont comme un peu chantés et il adore ça. Il adore écouter, entre autres, le, le, le football, le, le soccer en, en espagnol il tripe vraiment là-dessus. Two last questions fast. Um, uh, your favorite color commentator ever? Don't Ooh. say Ansem GF. <laughs> I won't. Don't worry. <laughs> <laughs> um, No, th th this is such a tough one. There's been some incredible, incredible uh, announcers out there, incredible pairings just in general, because sometimes you can't have one without the other. There's some amazing partnerships out there. Yeah. Um, but for my money bobby heenan i think is one of my favorite of all time and talking about pairs him with gorilla monsoon mm -hmm. just so good for this episode of my uh, podcast number 153 uh, we on our group facebook group uh, we we had 10 of the french uh, color commentator pco was one okay. working yeah, with yes, me yes. in those days uh, and uh, I don't know if you know Sly Sylvain Grenier. Oh yes, of course. Yeah, yes, he, he was working with me too. And of course, the the one, the last one with almost no votes is handsome GF uh, in French. I mean, but bien Bobby bien Bobby Enan is is I like him, and I remember a lot uh uh Jesse the Body Ventura with sure. Vince McMahon. Of wow. course. that was good. Uh Finally, last one. Uh, when we do the, uh, we, we comment beside you and some GF sometimes too often sings. Does that hurt your uh, ears? I mean, and feelings. Luckily I, our audio during the shows, you know, a little inside baseball is separate. <laughs> thank God. Um, but I am sorry for you. You have oh, to hear boy. him. Oh, that's I mean, I I sing sometimes. I've even gotten Tom to sing on commentary once really? or twice. Really? Yes. Really. Much, much to my detriment. But uh <laughs> yes, no, we we should start a petition to get handsome JF to stop singing ever again. The first time I heard him sing was when Josh uh, won the title. So we sang the Canadian uh, national anthem. Ah, okay. and, and even Scott Damore was beside us and, and came singing too. That was a great <laughs> moment. Ah, okay. alors je lui dis en terminant euh, est-ce que tu entends Dim GF chanter puis il dit heureusement dans nos écouteurs on vous entend pas parce qu'il dit que ça serait la fin du monde et il dit que justement il réussit à faire chanter son collègue euh, Tom entre autres euh, euh, dans les commentaires Matt it was a pleasure uh, talking to you you had another uh, word in french that I heard liaison That's oh, french hey right. Yeah. Oh yes, yeah, I get it. yes, that's true. Liaison. Oh, that's. Uh, I'll take it. <laughs> yeah, take it. Now you're almost bilingual. <laughs> I know, right? <laughs> but take care. Thank you very much, and I'll be. uh We will be seeing you uh, in Vegas uh, for uh, Rebellion on Absolutely. April twentieth. No, thank you so much, Mark. It was a pleasure being here. Thank you. Thank you. Le monde de Monsieur Fun est disponible. Animateur. DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Qu'on accord avec toi, qu'on corps, corps avec toi toujours. Hey, wow, ça, c'est wow, pour wow. Mathieu Raywald qui n'aime pas qu'Anson GF chante. C'est quoi cette histoire Moi qui n'aime pas ça, c'est que t'es pas bon. Vous avez, vous avez été deux langues sales sur mon cas pendant votre entrevue comme vous essayez des grands chants. Attends que je le vois, lui... à. Las Vegas, le 20 avril prochain. Ouais, ouais. Fait qu'écoute, on a eu. Euh, C'est un, un, un podcast qui est plus long qu'à l'habitude, mais Seigneur, ouais. que c'était le fun de parler de ce sujet-là. D'embarquer euh, les amateurs de lutte, les membres du groupe Facebook, euh, de leur faire voter. C'est une des premières fois qu'on fait ça. C'est ouais. super le fun. Et euh, ça me permet de lancer l'appel aux fans pour la semaine prochaine. Euh, on va parler de Eric Bischoff. Euh, je te l'ai dit au début, oui. j'ai écrit. Je serais surpris parce qu'il doit avoir un, un peu comme Tommy Dreamer quand j'ai dit « Je ne peux pas, je, je, je suis avec tel, tel podcast. Oui, » oui. Mais je l'ai quand même euh, lancé. Alors, euh, ceux qui sont intéressés à nous parler d'Eric Bischoff, ne euh, gênez-vous pas, écrivez-moi. Et ça sera le sujet de la semaine prochaine. Mon ancien boss et surtout celui que j'écoute à chaque semaine sur 83 Weeks, puis il m'a dit… Euh, lui, il n'y a pas de gris avec lui. C'est blanc ou noir, ça, c'est sûr. Exactement. Hey, mais quel bon podcast cette semaine, Marc. Avant de terminer, euh, je rappelle aux auditeurs notre tirage de, de billets pour nous aider à aller voir Tiennet Rebellion, qui va avoir lieu à Las Vegas. Ça va nous aider à défrayer les coups. Et c'est le voyage qui est le plus important pour la ouais. francophonie. Je sais que les Européens, ils ne peuvent pas venir voir la game du Canadien. Fait que je comprends que vous n'embarquiez pas. Euh, mais ils, peuvent en, ils peuvent embarquer dans mon défi des atémis des, des Chops. Non, celui-là, ne compte pas, mais ils peuvent embarquer dans le défi de nous envoyer des euros que moi je vais prendre oh pour man. notre voyage. Eh, hey, <laughs> pas boy. Sérieux, sérieux, ce que je veux vous dire, c'est qu'on va rencontrer la nouvelle direction parce que là, ouais. on ne sait pas. C'est euh, « Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, c'est important pour nous autres d'être là, même si moi, ça ne me tente pas d'aller à Vegas une deuxième fois d'affilée, mais on va y aller et euh, on va essayer de solidifier le côté francophone pour TNA Total Non-Stop Action. Wow, c'est bien dit, ça. Et Marc, on met fin à ce podcast qui était, ma foi, très, 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 très chargé. Et de quelle façon on invite les gens à nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs.